C'est devenu un incontournable. Vous voyez ce petit robot. On parle beaucoup de l'intelligence artificielle qui fait partie de nos vies. Ça suscite autant d'enthousiasme que d'inquiétude, Véronique. Et dans ce contexte, Montréal accueille un important rassemblement consacré au sujet. Eh oui, Julie, on dit que c'est le plus grand rassemblement au Canada là, en ce moment pour sur l'intelligence artificielle, parce qu'on veut vraiment là, que le Canada soit un leader mondial en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Donc, ce matin et en après-midi, on a beaucoup parlé des soins de santé, comment l'IA, l'intelligence artificielle, peut aider à améliorer les soins de santé. On a d'ailleurs annoncé des investissements dans 9 projets, dont pour 4 hôpitaux au Québec, dont le CHUM. Je vais vous laisser écouter là, 2 experts à ce sujet. On peut utiliser l'intelligence artificielle dans le diagnostic. Et ça, c'est très intéressant parce que ça amène la connaissance des meilleurs médecins potentiellement partout au Québec, même dans les régions les plus reculées, parce qu'on peut transmettre des images, l'intelligence artificielle peut les analyser et renvoyer un bien meilleur diagnostic aux médecins dans des régions éloignées. Des exemples concrets au CHUM, par exemple, pour optimiser des rendez-vous, booker des rendez-vous, il y a plusieurs variables. Quand vous voulez prendre un rendez-vous pour un traitement en oncologie, c'est votre disponibilité, la disponibilité de la salle, le type de technologie, la durée de traitement. Donc, d'utiliser l'IA pour optimiser, exemple, les rendez-vous, pour fluidifier le travail des professionnels, ou de l'IA pour aider au dépistage de rétinopathie diabétique, de prendre une photographie de le fond de l'œil, puis présence ou absence de lésions de fond de l'œil. Il y a un autre sujet qui a été abordé, Véronique, c'est la culture. Oui, oui, c'est un des secteurs les plus touchés hein, par l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de créateurs qui craignent là, de perdre des emplois là, à cause de ça. Donc, on dit que c'est important de créer des ponts. Je vais vous laisser écouter une des expertes qu'on a entendues en après-midi. C'est sûr que les créateurs le craignent de façon d'un côté économique, parce que ça prend leur emploi. Mais en tant que Canadiens et Canadiennes et sociétés, on doit aussi y réfléchir parce que ça risque de prendre nos voix et notre réflexion et notre culture. Et si on y croit à l'importance de se voir représenter dans notre culture, mais c'est important d'y réfléchir dès maintenant l'impact que ça peut avoir sur la diversité culturelle. Et Julie, ça va se poursuivre demain, donc le congrès. Il sera question demain de transformation dans le marché du travail. On en a beaucoup parlé, entre autres, dans les épiceries. Je crois que c'est le directeur de Métro qui sera ici, là, entre autres, pour en parler demain. Très bien. Merci, Véronique. Je vous en prie.